Eh bien, salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Donc aujourd'hui c'est Joris Gaming qui commente la vidéo de la chaîne Joris Gaming, un peu logique. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une manette que j'ai acquise récemment. Donc c'est la Subsonic. Donc voilà, vous voyez un peu. L'édition Camo, donc la Camo édition. Et donc je vais vous présenter un peu cette manette et vous dire si elle a l'air bien ou pas. Donc on va tout de suite commencer. On va faire ça à l'arrache. Voilà. Là normalement il n'y avait rien de toute façon. Il n'y a rien. Donc ensuite on va ouvrir la bête. Voilà. Bon. Alors, nous avons quoi fourni avec? Bah, on a la manette, bien évidemment. Donc, c'est une manette PS3, je tiens à le dire. Elle est stylée quand même avec la touche PS les boutons, enfin, les joueurs, le nombre de joueurs. Donc, les joysticks, on les prend mieux en main, je trouve. C'est mieux pour les jeux comme Call of Duty ou autres jeux. Les L2 et L2, on n'est pas tout le temps obligé de tenir notre manette comme ça, et quand on doit lancer une grenade, faire ça. C'est bien, c'est un antidérapant. Ouais, elle est bien. Et il y a un truc pour poser ses doigts ici en dessous. Là, normalement, vous le voyez. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui nous est fourni aussi avec? Normalement, il y a un câble, je pense, qui faisait écrit qu'il y avait un câble. Alors, manuel d'instruction. USB câble, voilà, et normalement je pense qu'il disait qu'il était fourni avec. Je sais pas, j'ai vite fait regarder. Ah non, elle n'est pas fournie avec. Donc voilà, donc vous avez la bête. Donc c'est une manette Bluetooth. C'est l'édition camouflage de Subsonic. Édition grise, puisque dans une autre vidéo que je vais faire juste après celle-ci. Vous aurez aussi l'oreillette Big Ben que je vais vous présenter. Et sûrement je vais faire un comparatif entre celle-là et mon ancienne oreillette. Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et la manette, donc mon avis pour vous si vous devez l'acheter ou pas. Merde. Waouh, stylé quand même. Hein. Mais faut l'éteindre parce que sinon la batterie elle va être niquée. Voilà. Ce que je pense... Bah... Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Les joysticks c'est mieux ceux comme ça. Déjà je me demande pourquoi ceux de Xbox ils préfèrent les joysticks de PS3. Je préfère ceux-là, ils sont beaucoup mieux. Bah écoutez, moi je vous conseille franchement de l'acheter. Elle coûte pas si cher. Mais si vous voulez une manette normale qui coûte pas cher non plus, je vous conseille d'acheter une Rapid Fire. Parce que ça, c'est pas une manette normale, elle est bien, c'est mieux pour les gamers. Tandis que les manettes normales, elles coûtent 40€. Vous avez une Rapid Fire avec le bouton ici pour changer le mode de tir. Donc voilà, donc j'espère, mais je vous conseille d'acheter celle-ci. Elle est plus design et vous avez les trucs ici pour accrocher. Là, pour retenir le doigt. Ça va être un vrai plaisir de jouer avec. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir. À mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si c'est la merde, si c'est complètement bien. Et normalement, vous aurez un lien dans la vidéo, je sais pas encore si je vais le mettre ou pas, en bas à droite ou en haut à gauche, je sais pas, n'importe où, qui vous redirigera vers la vidéo de l'oreillette Big Ben. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis salut et à juste après pour la vidéo Big Ben. Salut!